Bonjour tout le monde, bienvenue sous Palmi, ça m'a pour la caille. C'est jeudi, mardi matin, c'est que l'administration, en fait, officielle de l'administration Trump, actuellement là, il y a pressé pour yo finaliser un executive order tête chargée que Donald Trump gagne pour le sien. Executive order, ça que monsieur a annoncé hier soir, non, un tweet, mais ça le dit. Il dit à la lumière de attaque invisible de ennemi nous, bah, tête chargée, ça le dit, après, mot ça, oui. C'est comme quoi le dado là, gen terroriste. Comme quoi, il y a indirectement, comme si le corona, c'est son attaque de l'extérieur. Mais il dit, à la lumière de l'attaque invisible de l'ennemi, ainsi que nécessité pour nous protéger job pour les citizens, je vais signer un executive order qui, de manière temporaire, a campé immigration aux États-Unis. Attendez bien, qui a campé immigration aux États-Unis. Donc c'est ça l'annoncé hier soir. Et journaliste, tout acteur, matin bien bonnet, a cherché qu'on ait ça passé. Parce que M. Baba est trop de détails. Et pour combien de temps le bagage, il a essayé ouais officiel. Il a peut-être qu'il y a un petit lumière sous cause ça qui, justement, a rempli tête chargée. Les immigrants. Ou même par exemple, qui a fait interview Captain Residence, ou même qui voulait application pour qu'il travaille. Ça t'avait dit qu'avec l'exécutif order ça, c'est que tout le bagage a campé. Parce que j'ai un argument là, c'est que pas de travail et nous rappelons qu'il y a 22 millions de monde qui en employé. Donc, ils pensent que les immigrants vont faire compétition avec les citizens et qu'ils n'ont pas besoin de job. Donc, ils disent pas prendre encore. Et ça, le dit. Et il n'a pas dit pour qui il est. En toute logique, s'il dit c'est problème économie, donc c'est lorsque l'économie a vu repartir. Ça veut dire qu'ils ont une décision que tu dois pour n'importe un an. Parce que l'économie, c'est pas boum, dans 2-3 mois, va repartir encore. Ok. Donc, officiel yo qui, et tout matin là, yo ap travay sou bouillon executive order sa. C'est ça officiel, c'est ça yo dit. Et yo dit que executive order sa y ap fini par compléter li next few days. Dans les jours à venir. Le diamant dit, vraisemblablement, d'ici vendredi ou plus tard, nous pensons que yo ap gen executive order sa fin prêt pour que Trump signe. Langage là. Yo style a finalisé. Il dit que executive order ça ta supposé temporaire. Et li pral, yo commence à bailler deux trois petites précisions pour lui puisque nous hier nous t'a fait déduction hier mais il dit effectivement avec executive order ça y a campé sous bagage toute nouvelle résidence. Après prendre bout, executive order ça de manière temporaire l'a campé émission de nouvelles résidences. Ça veut dire ou même qui gon résidence ou ap tan avec executive order ça y a campé. Même gens tout l'ap campé ça nous relé et visa de travail, visa pour moun vin travail. D'ailleurs, yo dit que avec coronavirus là, pas presque gen causé ça en parlant de visa coronavirus là. Et gen yon lot officiel l'administration cap essayer ba des trois détails toujours. Il me semble que Donald Trump dit que executive order ça après le temporaire pour 120 jours. Bon, bien que nous même nous dit puisque la parler d'économie, économie en pas boum en 120 jours. Très certainement dans l'hypothèse que l'état arrivé fait ça, l'hypothèse que ça t'a passé après 120 jours, elle t'a renouvelé encore. C'est logique n'a fait. OK, si on même elle dit pour 120 jours parce que c'est clair pour tout le monde que si c'est si vrai problème ni gagne c'est le fait que immigrant va voler job pour aller en compétition avec job pour américain ça qu'elle pas bail ni quatre travail ni résidence ni rien. 120 jours c'est menti parce que en 120 jours économie en pas boum en 120 jours tout le monde ça ou pas gagne joindre travail. OK, de parler de un employment bon bon notre aspect dans executive order ça qui beaucoup j'aime clair tant coup. Qui est-ce qui va être au pouvoir ça? Côté le joint autorité ça pour être capable de faire de pareilles décisions. Et maintenant qui l'autre élément pour le mettre la donne? Qui exception pour le faire? Yo parler de mais l'âme d'abtan yo a. Yo parler de femme worker. Effectivement nous connait travail champ yo. Est-ce que yo va le joindre monde faire job ça? Donc les dix monde qui va travailler dans champ yo pa pladen.
yo parlé tous deux healthcare provider parce que yo pa gen assez nurse, yo pa gen assez CNA et moun kap ede ti gran moun, yo pa gen assez dans pays a. Donc yo di que ça yo pral faire exception. Maintenant question en tout, en guise de ça, li clair que tout moun au courant là prend job commun qui puisse gagner dans pays a pa bon. Ça nous relie job dans distribution center yo. OK, on relie au job factory genre relie wa. C'est des job côté que moun nan kon fè n'importe 8 heures temps 10 heures temps camper sous pied l'ap marche ou bien l'ap font grand mouvement. Réalité a c'est que le monsieur c'est immigrant qui fait job ça yo. Natif yo justement très peu là-dedans ou fait choix ça. Déjà gen bon moun nan secteur travail entrepreneur yo qui dit que yon pare décision, c'est yon tête chargé la pied pour yon, yon pa besoin de moun. Avec yon pare décision. Maintenant, sa pou nou konnen nan cause de ça, c'est que nap tann décision sa sorti, mais la question, c'est que depuis le sorti, de toutes les façons, et y a pris le nan fédéral, kote son baye ki gen possibilité pour yon campé. Ça va dépendre de qui ça, qui logique administration. S'il mette le pour 120 jours, fok. Il te gen doit dire bon dans 120 jours même là la justice gen doit pour prendre une décision au moins la gen doit faire l'appliquer pour 120 jours même penser que gen doit gon mesure d'urgence pour que rapide un juge fédéral gen t'en bloquer donc son décision tout gen doit même jour remettre là le lendemain et puis gen un juge fédéral qui bloque parce que nous voulons rappeler pour tout le monde que dans ce pays ni les au-dessus de la loi pas gen un monde qui capable prendre des décisions qui aller justement au-delà de la constitution. Pas gen personne moun. Le président inclus, il supposé respecter ça la loi dit. Ça n'a pas de comprendre nan cause tout ça que le président fait hier là. Il y a plusieurs aspects là-dedans. Il y a un aspect politique fort. Dans le sens que le président a besoin justement by volume, by base li au volume. En d'autres termes, mettez 10 faits nan mitan base li yo ki généralement c'est des anti-immigrants pour dire oui président noir bay moun parce que yo wè nan immigrant ennemi de la nation yon étranger yon corps étranger qui nuisible pour yo même pourtant dans les faits moteur économie justement ça capable de bouger économie si yo d'accord ce sont les immigrants mais yo même yo vivent de slogan ça yo jouent dans slogan ça yo donc monsieur tout nan déclaration que li fait à tout livre li gon dimension politique pour chauffer base di yo mais le bon la respect tout dans le sens que li besoin jeter blâme là sous immigrant c'est comme quoi c'est yo k'ap voler job nou konnen là parce que présentement chiffre montre que tout monde montre que monsieur fait en gestion catastrophique de la crise et je di a li ta vle justement et orienter attention nous vont l'autre bagaille par décision ça blié problème catastrophe gestion de coronavirus là et que qu'on est là on t'a dit oui nous avons problème pas de travail immigrant et dit ba on l'autre discours parce que discours je dis c'est coronavirus côté que nous compte chiffre des valet moun qui mouri valet moun qui infecté c'est de ça qu'a parler qui sont mauvaises images donc monsieur vle orienter discours vers un autre aspect donc décision on li gagné yon dimension politique et fond du tout que monsieur tout depuis longtemps te vle pou li te ferme sa dare les frontières Mexique là pour moun pa passer même du tout nous wè tout monsieur qui entre nan cause a bay volume pour manifestation dans tout pays a contre des gouverneurs démocrates qui mande moun yo pour font tirer de la caillou toujours. Et moun sa yo ki pran la ria yo expose tête yo bien que moi gen intelligent yo nan la ria yo mete mas yo bon si yo besoin di kon sa yo pa ta besoin mete mas ba comprendre logique ça monsieur kap bay moun sa yo et bas di yo pran la ri manifester en situation qui vraiment difficile qui fait que moun sa yo ou pral tande l'autre semaine nan plusieurs la dan yo ki infecté y a contribué justement à bay virus la terrain pour li éparpiller nan pays. Dans une déclaration qui sorti jodi a
Yo pa bay des détails sou timing exécutif la. Et yo pa justement mentionné et yo mette en phase simplement sou implication que l'a gagné sou travail et yo parlé de yon pause que y a fait sou immigration. En parlant de secrétaire au niveau de White House ça, il dit que c'est peut-être travail pour aller prendre ça. OK? Et c'est comme quoi yo dou là apparaît aspect protéger travail là yo dou bon question santé. Ça veut dire yo va prendre monde à l'extérieur venu parce que monde ça va venir contaminer, non? OK? Donc dit étranger yo gen coronavirus, donc yo pas prendre yo. Donc c'est les raisons ça yo avancer. Yo parler de économie, travail qui pas gain, c'est ça et secrétaire Kelly McAnning au niveau de Maison Blanche déclaré matin. Hein? Donc mes gens ba là, bon côté département Homeland Security, yo beaucoup répondre, yo beaucoup veut faire aucun commentaire sur cause ça. Nous tout connaît département USCIS te gain pour l'ouvrir et le 3 mai qu'a vinn là, est-ce qu'il a tout fermé? Est-ce qu'il a tout fermé net? Ou bien tout gagne des sections, il a tout dit section pour faire quatre travail, section pour résidence, est-ce qu'il y a des sections ça fermé? Donc c'est comme ça causé à là. Donc nous autres n'a gagne pour nous porter des précisions, n'a gagne pour nous porter justement des précisions sur causé ça pour puisque yo dit nous il a finalisé dans moment là et une bagarre monsieur dit que l'a fait c'est que il va le bailler l'autre pour que rapidement depuis on il arrête tout monde sur frontière là et puis même les avec tout monde pour on y retourner tout ça c'est des bagarres qui en dehors de la loi. OK, donc voilà en substance ça Donald Trump annoncé qu'il va le prendre dans executive order et nous autres nous être connectés et dernière décision ça sorti ça va sortir là n'a gagné pour nous porter tout détail mais nous d'où que nous mettre gain garantie que dossier ça après c'est pressé il y a gagné pour mener au niveau de federal court bien que version finale là nous pas regarder qui ça lié nous bon on aperçu de ça qu'a dit qui ça qui pral la donne. Donc voilà, toujours été justement connecté avec nous les toutes dernières informations qui se soit qu'a passé Haïti, les États-Unis, ça qui lié avec dernier sortie sur immigration n'a porté au pour. C'était un plaisir pour nous porter information ça pour vous.